chef des États généraux, le 5 mai 1789, sonne le glas de l'ancien régime. Déjà, la révolution est en marche, qui accumule le temps fort et symbole, à commencer par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Une fois Napoléon, de 1769 à 1821, définitivement éloigné du trône, lui succède Louis XVIII, de 1755 à 1824, roi de France de 1814 à 1824, puis son frère Charles X, de 1757 à 1836, roi de France de 1824 à 1830. L'année 1830 voit l'avènement de Louis-Philippe Ier, de 1773 à 1850, roi des Français de 1830 à 1848. Quatre ans plus tard, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, de 1808 à 1873, devient Napoléon III, empereur des Français, de 1852 à 1870. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la dernière vidéo des rois de France, hein, et aujourd'hui, on va étudier les rois de France après la Révolution française, hein, c'est-à-dire Napoléon, Bonaparte, Louis-Philippe Ier, tout ça. Et donc, on va commencer avec Napoléon Ier, hein, puisque c'est lui qui... va faire le coup d'État juste après la Révolution, hein, avec Louis XVI et tout ça. Et puis, on va l'étudier. Donc, voilà. Napoléon Ier, né en 1769, règne de 1804 à 1814 et 1815. Napoléon appartient à une famille noble de Corse, les Bonaparte. Comme l'île est française depuis 1768, le jeune homme est admis dans une école militaire sur le continent. À la veille de la Révolution, il y est lieutenant dans l'artillerie, ses grandes perspectives de carrière. L'histoire qui brusquement s'accélère va changer son destin. Il se fait remarquer en 1793 par sa résistance aux Anglais lors du siège de Toulon. Le voilà entré dans la carrière et bientôt général de brigade. Suivant la campagne d'Italie de 1796 à 1797 et l'expédition d'Égypte 1798 à 1799 qui le rendent très populaire. Pourtant, la gloire militaire ne suffit pas. Bonaparte entend gouverner le pays. C'est chose faite au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire. « La révolution est finie », proclame-t-il, alors premier consul et homme fort du nouveau régime. Mais son ambition est grande et réclame plus que le code civil, récemment promulgué. Le 18 mai 1804, l'Empire est proclamé suivi du sacre du 2 décembre, immortalisé par le peintre David. L'Empire n'est pas la paix, et la soif de conquête de Napoléon Ier se double d'un exercice du pouvoir de plus en plus autoritaire. À l'instar d'Austerlitz, en 1805, les victoires militaires sonnent comme une fuite en avant qui s'achève le 18 juin 1815 dans la morne plaine de Waterloo. Les 100 jours auront été l'ultime sursaut d'une aventure qui appartient désormais à la légende. Les romans antiques de la Restauration en y auront à cœur de l'écrire. On peut voir sur l'image Napoléon Bonaparte en train de couronner sa femme, hein, Joséphine de Beauharnais, qui est d'ailleurs en tableau. Hein, on peut le voir à Versailles, ce tableau. Et puis voilà, nous passons maintenant à Louis XVIII. Né en 1755, règne de 1814 et de 1815 à 1824. Frère cadet de Louis XVI, Louis comte de Provence, quitte la France en 1791 sous la pression des événements révolutionnaires. Prince en exil, il parcourt l'Europe avant de s'établir en Angleterre. En 1808, là au milieu de ses fidèles, il brigue le trône de France, dont il se considère comme l'héritier depuis la mort en 1795 de Louis XVII, fils du roi guillotiné. Quand la défaite chasse de Napoléon en 1814 et lui apporte la couronne, la charte qu'il octroie aux Français est datée de la 19e année de son règne. C'est dire si Louis XVIII a le sens de la continuité et de la dignité royale.
Pourtant, en 19 ans, la France a changé, ce que le Bourbon semble avoir compris. Mais les royalistes, parmi lesquels dominent les anciens émigrés qui, ayant ont fui la France de la Révolution, n'ont rien appris, rien oublié. Non pas cette lucidité. Aussi, les opposants les plus déterminés à la politique conciliatrice du roi sont-ils les royalistes ultra tournés en dérision par la caricature. L'assassinat du duc de Berry, neveu de Louis XVIII et héritier des Bourbons, le 13 février 1820, galvanise les ultras. L'heure n'est plus aux mesures libérales. Et le roi est contraint d'abandonner son favori Descazes pour confier le gouvernement au duc de Richelieu, plus conservateur 4 ans avant sa mort. Louis XVIII a en quelque sorte abdiqué. Le comte d'Artois, son frère, contrôle en sous-main le gouvernement, ce qui lui permet d'y placer dès 1821 un de ses proches, Joseph Villèle. La Restauration n'a jamais si bien porté son nom. Passons à Charles X. Charles X, né en 1757, il règne de 1824 à 1830. Charles, comte d'Artois, est le plus jeune des deux frères de Louis XVI. Prince du sang royal, il mène une vie oisive à la cour quand survient la Révolution. Hostile aux réformes, il se réfugie en Allemagne puis en Angleterre où il retrouve son frère qui se fait déjà appeler Louis XVIII après les 100 jours. Charles, héritier de la couronne, joue un rôle important dans les affaires du royaume. Monsieur sape discrètement la politique de conciliation menée par son frère et joue les opposants avec une constance admirable pour un homme jugé, mondain et frivole. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes de cet homme qui semble tout entier appartenir au XVIIIe siècle. Il justifie son hostilité de principe à la charte de 1814 qui met en place une monarchie constitutionnelle dotée d'organes représentatifs. Par une croyance sincère au lien d'amour qui l'unit à ses sujets. Ainsi, point n'est besoin de chambre ni de parlement pour gouverner. Le sacre auquel Louis XVIII avait renoncé est célébré à Reims en 1825. À lui seul, il donne le ton du règne et illustre la politique réactionnaire du nouveau roi. La suite est à l'avenant, c'est-à-dire une succession de maladresses. La censure est rétablie en 1827. Martignac, qui a succédé à Villèle à la tête du gouvernement, est remplacé par Polignac, fidèle du roi et modèle achevé du royaliste ultra. Sa nomination est un quasi-appel à l'insurrection. Les jours du régime sont dès lors comptés. Renversé en juillet 1830, le dernier Bourbon à avoir régné sur la France meurt en exil. Passons à Louis-Philippe. À Louis-Philippe, né en 1773, règne de 1830 à 1848. Duc d'Orléans à la mort de son père, Philippe Égalité, révolutionnaire qui a voté la mort de son cousin Louis XVI, Louis-Philippe connaît les chemins de l'émigration à partir de 1793. Avant de parcourir l'Europe et le continent américain, il a servi dans les armées révolutionnaires, les victoires de Valmy et de Jemmapes auxquelles il a participé à l'automne 1792. Lui seront utiles en 1830. Elles permettront de rallier à sa personne les suffrages de bien des libéraux. La Restauration tient de la traversée du désert, tant le duc d'Orléans est tenu à l'écart des affaires, ce qui ne l'empêche ni de reconstituer son immense fortune dispersée par la Révolution, ni de tisser des liens au sein de la bourgeoisie libérale. Les journées de juillet 1830 permettent à Louis-Philippe de jouer sa partition. Grâce à une révision de la charte de 1814, instituant une monarchie constitutionnelle, il devient roi des Français. Les premières années du règne sont le temps des insurrections, noyées dans le sang. L'ordre finit par régner et Louis-Philippe révèle sa vraie nature.
un roi jaloux de son autorité qui entend gouverner. La France de la monarchie de Juillet n'est pas l'Angleterre parlementaire, convaincue d'incarner la raison dans l'histoire. Le roi est Guizot, son principal ministre reste sourd aux évolutions et attentes de la société française. Aussi sont-ils d'abord surpris puis débordés par les manifestations de février en 1848. En moins de 15 jours, le régime est renversé et le roi s'exile en Angleterre. Passons maintenant au dernier roi de cette vidéo, au dernier roi de France et au dernier roi de ce livre. Ça fait beaucoup de derniers, mais bon, c'est le tout dernier. Et après, eh bien, il n'y aura plus d'épisodes sur les rois de France. Napoléon III, né en 1808, règne de 1852 à 1870. Né en 1808, ce neveu de Napoléon Ier est le fils de Louis Bonaparte, éphémère roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine. À la chute de l'Empire, sa mère l'emmène en Suisse, d'où il filera sur Rome pour participer en 1830 à un complot de Carbonari. Membre d'une société secrète, il converse de cette expérience un goût certain pour le complot. Ainsi, en 1836 à Strasbourg, puis en 1840 à Boulogne, il tente de soulever des régiments, ce qui lui vaut de passer 6 ans au fort de Ham, où il écrit l'extinction du paupérisme, ouvrage qui lui attire la sympathie de la gauche républicaine. La révolution de février 1848 ouvre les portes d'une carrière inespérée. Élu député, il se porte candidat à la présidence de la République en 1848, avec succès. Ne pouvant briguer un second mandat, il organise un coup d'État qui débouche sur la proclamation de l'Empire, un an plus tard, le 2 décembre 1852. D'abord autoritaire, l'Empire se libéralise à partir des années 1860. Des réformes sont accomplies dans le domaine social, de la guerre de Crimée à l'expédition du Mexique. La politique extérieure reste la pierre d'achoppement du régime. C'est d'ailleurs sur elle que Napoléon III trébuche définitivement en 1870, cette fois-ci contre la Prusse. Le 2 septembre, la défaite de Sedan laisse une armée en déroute et un empereur romain de l'ennemi, Napoléon III, trouve alors refuge en Angleterre où il meurt 3 ans plus tard. Et oui, le 2 septembre 1870 ou 71, il y a la défaite de Sedan. Napoléon III est obligé de se rendre et... Et la France perd l'Alsace. Et du coup, voilà. Donc, c'est terminé. On a terminé avec ce livre. Vous ne le verrez plus, je pense, hein, vu que, bon, on l'a déjà lu en entier. Hein. Il est assez gros quand même, regardez. Et du coup, eh bien, voilà. Hein. Donc, on a lu tous les rois de France. Hein. Je me souviens encore de Lothaire III, par exemple, où... Childéric III, dernier roi mérovingien. Ou par exemple Charles V, le sage. En tout cas, plein de rois que je vous ai tous racontés en à peu près 13 vidéos, je crois. Donc c'est la fin de cette vidéo et de la série des rois de France. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.